Donc on y va, Gwarm, deuxième boss évidemment, hein, du jugement des valeureux. Après, il y aura Hell yeah, évidemment. J'ai jamais fait le fight. Je débarque, je suis un touriste, un risque tout. Et je vous rappelle que si on clean, donc évidemment, ce raid ce soir en entier, ce qui normalement devrait être faisable si on diminue un petit peu la comp sur Elia si on galère, et bien ensuite on partira à Emerald Nightmare, donc cauchemar d'émeraude en mythique, pour finir, okay. Puisque là ils ont déjà tué 3 boss. Gwarm. Je ne ferai pas les VOD de ça. On va, donc je vais faire un appel. Évidemment. Je vais faire un appel. Donc Gwarm en gros c'est un boss très simple. Alors, devant lui, écoutez l'histoire. Devant lui, il fait un cleave. Donc 25 mètres devant lui, ça représente à peu près la statue. Ok. C'est-à-dire entre là le boss et la statue, il y a 25 mètres. Donc toute personne se trouvant entre le boss et la statue, mourra. Ok, il fait un cleave. On va le tanker face à nous. Alors pourquoi? Parce qu'en gros toutes les 20 secondes, il va faire un souffle au sol. Donc vous allez voir, hein, c'est. Tu vas voir. En gros, il fait un souffle qui va prendre qui va prendre toute la salle en largeur. Et en fait, ce souffle, il est découpé en trois phases, en trois parties. Une phase rouge, une partie violette et une partie bleue, ok. Et en fait, il faut que tu ailles dans une de ces parties et que tu y ailles tout le temps après. Ok. Ça te met genre un debuff. Et donc, comment ça? Non, je dis ça te met genre un debuff qui te OS si tu vas dans. Ouais, c'est ça. Ça te met un debuff. Genre, en gros, toi, tu vas prendre le rouge et non, tu vas prendre le violet et donc en gros, tu devras toujours prendre le violet, tu vois. Et donc au niveau des groupes, ça va donner ça. 1, 2, 3, nice. Rouge et 4, 5, 6. 1, 2, 3, rouge, 4, 5, violet. 6. Voilà, donc violet. Ça donne ça. Donc moi, le groupe 1, 2, 3 prend rouge, 4, 5, 6 prend violet. Les deux tanks, vous prenez bleu. Et en gros, si quelqu'un prend pas le. Si tu prends pas le bon truc, Zera, tu meurs. Et si tu prends pas de truc, tu buffes le boss de 5% dégâts. D'accord. Okay. Et à chaque personne qui ratera son souffle, le boss prendra 5%. Donc ça c'est la P1, c'est tout. Donc il faut juste être espacé les uns des autres, prendre le souffle, se redépack, prendre le souffle, se redépack, prendre le souffle, se redépack. Vu qu'il y a plein d'habilités, il faut dispel tout ça. Et ensuite la P2, donc en gros le boss va jumper sur un joueur, puis il va jumper sur une partie de la salle, donc un des quatre coins, pardon. Et ensuite il va charger. Donc par exemple si il saute là où je suis, tête de mort, ok. Il va aller tout droit comme ça là. Et toutes les personnes dans la trajectoire vont mourir. Donc en gros nous on ira à l'opposé et il fait le tour de la pièce. Donc en gros bah on start à l'opposé de là où il a sauté, puis ensuite on traverse une fois qu'il est passé. Et voilà, c'est terminé. C'est un boss très simple, vraiment très simple. Okay. À partir du moment où vous êtes dépaqué et qu'on n'a pas 26 000 morts du cleave. Voilà. C'est surtout les morts du cleave qui nous mettront dedans. Donc je vais faire un appel et puis on va être parti. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et les groupes ont été, je les rappelle, les groupes, c'est ça. Donc violet, on sait où il va être le souffle violet là ou pas déjà? Non, justement, ça switch à chaque. Ah d'accord. Ouais. Mais tu vas voir, c'est, enfin, tu vas vite comprendre. Ok. Principe. Dès que Drax est, ok, c'est parti. Allez. Amen. Beloine Kouji. Apparemment c'est de la merde. Apparemment c'est plus facile que Odin. Il manque un guide, tout à fait, vous avez raison. Bon, comme d'hab, je vais pas heal, je vais regarder. Attendez, je vais ouvrir les yeux. Ah oui, donc là mon idée c'est d'abord de voir les souffles. Oh, pourquoi il s'est fait one shot lui? J'ai voulu éviter le truc du déca givre. Quelle demeurée. Oh. Ah oui d'accord. J'ai compris. Je suis Nila Saron. D'accord. Ouais, Phytoman, s'abonne à la Zerator TV. Bienvenue. Je suis Nila Saron. Préparez-vous 1, 2, 3. 1, 2, 3 rouge. 4, 5, 6 violet. Ok, donc là on reste là. Right. Et on se redépack. Et on se redépack. Personne devant le boss. Attends, là il y a un mage ouais. Qui est un peu chaud. Oula, il est dessous. Faut le replacer hein. Ah, tête baissée. Okay, on va à l'opposé. Et on traverse. Ah. Excellent. Et on se replace. Tout va bien. Soyez pas devant le boss. On a eu beaucoup de chance. Pourquoi il a pas de jump avant? Oh, je savais pas que c'était maintenant. Jump, j'avais. C'est pas un cache. Ok. Ah, j'avais rien compris. Retournez-le souffle dans 5. Personne devant le boss à 25 mètres. Personne devant le boss.
Oh, j'avais rien pigé. Faut vraiment faire attention. J'avais pas pu, je me faisais OS. Ah. Allez, on se concentre. Oh, ce levage de bras en criant OMG, OMG. C'était magnifique. Non, le pire, c'est que j'ai pas trop compris en vrai. C'est pas mal. C'est pas dingue. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Y'a un truc que j'ai pas pigé vraiment. Ok, on se concentre, souffle, souffle imminent. Qu'il a lui. Ah. Oui. Oh, souffle, ok, excellent. Oui. J'oublie Rez, Rez. Oui. Fast. Oui. Faut vraiment demander des CD. Oh non, c'est. Qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Attends. Fatal quand combiné avec salve caustique ou plus ardent. Ok. Et là, après, il va sauter. Et ce sera la P2, attention. Ok, là il va jump, ok, à l'opposé, c'est des persos, tout le monde c'est des persos à l'opposé, ah, on traverse, ok, j'ai compris. On traverse, c'est des persos, j'ai compris, c'est des raids et on se replace, personne, j'ai compris, boss, d'accord. Personne devant le boss, j'avais pas compris, s'il vous plaît, c'est bon, tout va bien, easy, attends, faut que tu m'entendes la P, personne devant le boss, j'avais vraiment rien compris au début. Faites attention au temps, il va y avoir un souffle. Attention les souffles. Et vous n'aurez jamais les plans. Souffle. On se replace, personne devant le boss. Merde. Personne. Zera se crie sur Alex. Hein? Faites gaffe Alex, vous avez entendu. Wow. Ah ouais. Go ape. Tu étais sous sa cri. Vite dans le truc rouge pour mourir instant. Voilà. C'est quoi le problème? Ah non, faut que vous mettez les gens dans votre sur tes tanks là. Tiendrait pas. Non, ça cher pas. C'est un montant. Attends, Alex. Go hype. Comment ça? Comment t'en sais? Enfin, problème de tanking. C'est cher. Bien sûr que c'est. Pas cher. C'est le ah bah alors oui attention. Alors. Ah bah alors oui alors. Parce que sinon c'est vraiment dur. Allez on sur lui. C'était easy! Normalement, tout le monde fait ça, ça. Parce que c'est censé être pris prenable. Ouais, mais là, vraiment. Franchement, c'était formidable! J'ai adoré! On va mettre. Faut que les tanks appuient plus fort sur les touches. On va mettre. Ça me mais ouais, mais vous prenez combien? Parce que du coup, mais, c'est grave. Bah, 4 900 000. Mais t'as pris combien là, Alex? Combien? Sur le. Allez, on va reprendre les petits consommables. Le tranquillou. C'était ridicule, go hype. Mais c'est pas ça, on parle qui est cher. Bon, après, ça attention, hein. Alex, c'est pas notre MT2. Là, on a Chubby qui est notre MT1 mais qui est sur son reroll. Et Alex qui est notre MT3 et qui est sur son reroll, je crois. Donc, c'est vraiment. Voilà, on est avec des tanks. Il a 870 level, lui. Les tanks du ghetto, la machine tank mieux. Le retour de WoW, ça fait plaisir, des bisous. Salut, mon chouchou. Il va y en avoir beaucoup cette semaine. Il va plus y avoir énormément de WoW, globalement, cette année. Mais là. Et même sur Légion globalement, sauf s'il se passe un truc de ouf. Mais là, il y aura le dernier progrès de Trial of Valor, vu qu'il n'y a que 3 boss, c'était l'occasion. Mais après, je pense qu'on fera pas les suivants. Je pense. Attends, sur toi, la pied. De quoi? Ouais, 2 secondes, je vais t'en sortir. C'est hein. Bien qu'on ait pas one shot, comme ça je pourrais remettre des pubs sans trop culpabiliser. Quand on l'aura down, je me dirais c'est bon, on a quand même fait 15 minutes. Voilà, c'est bien. Ça ok, déjà, trade. Ça fait déjà 10 minutes. Non, par contre, c'est vrai que le souffle, il t'a OS si tu veux. La machine en même temps, il a déjà du stuff 1000 level. Nice. Ouais, il dit c'est good, hein. Nice. Nous verrons bien. S'il faut qu'on split, on splittera. C'est un pool 19. C'était génial en tout cas. J'ai adoré. C'est parti. Concentrez-vous. Waouh. Et c'est bien pour le moment. Pas ouf, il de cette guilde, hein. 100k. Il n'y avait plus aucun buff avant. Pas dingue, hein. Pas ouf les DPS, hein. 145k les meilleurs, hein. Vraiment, ils sont. Ouais, ils sont nuls, hein. Ils disent que c'est rien. Ils sont nuls. 2, 1. C'est parti. Je vois s'il avait une prise de buff anormale. L'ABL. Mais du coup, comment ils font les cacs pour DPS s'ils prennent le. Peut-être qu'ils prennent pas le cleave. Je n'en sais rien. Didalidalitati. Souffle. Violet. Replacez-vous. Maintenant. Claquer une AM. Pas de cleave. Claquer une AM, bon voilà. Pouette. C'est excellent, replacez-vous.
on reste au milieu globalement. Hein. CD. C'est vrai. Attention. Rugissement bondissant à droite. Ok, il va jump. Merde. Nickel. Et là, ça va être le gros jump. Il a sa run. Ça va être le gros jump. Jump, on reste pas. Hey, salut. Vous êtes à l'opposé. Arnden. Mon Isaac. Ah, c'est là que j'aurais dû claquer la M. Ok, personne devant le boss. Je suis un peu personne con. Devant le boss. Personne devant le boss. On était bien devant le boss. On était bien devant le boss, on était bien devant le boss. Oh mais non, okay, c'est normal, je peux pas me faire ça. Il va souffler. Okay, vous avez le temps de remonter tout. Pas comme ça, Zinedine. Personne devant le boss. Nation, attention. Oh là 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 là. C'est relou. La grid, on appelle ça. A grid. Pas de raise. Ouais. Ara qui meurt. Ouais. Bon, évidemment, j'ai plus de mana. Non, en vrai, ça va, il me reste encore. Il reste maintenant. Ah bon, ça, à être espacé. Pourquoi il est mort? Pops qui prend pas le bon souffle. Ah ouais, il était à côté. Mais non, c'est pas possible hein, de mourir si vous avez pris le bon souffle. Je vous le dis. Blip maintenant. Attention. C'est bizarre ce qui s'est passé. Là. Il saute. Tac. Charge. Bizarre en vrai. Charge maintenant, attention. J'ai plus de mana moi. C'est un Golio. On va l'opposé. On sait des mana, persos. Plus de mana. Ah, je suis un Mongol. Tu es mort là, c'est impossible. Hein. C'est je suis un Mongol. Ouais, je suis juste nul. Strictement impossible, on va reste Zera. Vous êtes espacé, prêt à prendre le souffle, personne devant le boss. Je pensais qu'il allait moins de temps à revenir, putain. Fais attention au temps. Salopard de boss. Sur Zera, Shark s'il te plaît. Allô. Ça devrait être un automatisme. Il va y avoir le souffle. Préparez-vous. On a combien de res là juste? 1 dans 15 secondes. Pas bien, Zerator qui est nul. Pas de res. Du coup, si, Pops, j'imagine. Sinon tu vas pas. Sinon je fais une Aya, il faut faire quoi? La crise Zera, si on retrouve. Oh putain! Il va y avoir un sou. Ok, un raid sur Alex. Du coup, de cup. Oh! Ouh, c'était chaud! Non, c'était pas du tout chaud. On se replace. Par contre, Alex, enfin, faut vraiment que tu demandes des CD. Je peux pas faire plus. Bah, si, tu peux en demander. Et en avoir encore. Attention. Bien sûr que tu peux faire plus. Il est plus rien. Allez, foncez-lui dessus, bah, restez devant. Il de rien. Il garde quoi? Voilà, Ouned. Okay. Je suis sûr et certain qu'il y avait encore une barre, qu'il y a un coup. Non, mais n'importe quoi. Il y avait deux bots, c'est tout. Je sur des gamins. Ok, et bah. Non, non, mais le boss est easy, hein. Pourquoi en fait? Ah non, mais le boss est easy. Vous pensez que parce qu'on meurt, c'est dur? Ah non, non, non. Oula, oula. Oula. On est au deuxième pool, on est avec des rerolls comme des mongolos, il est à 24%, moi je suis un touriste. Oh non, les gars. Vous changiez ses habitudes en demandant plus souvent. Commencez pour pas. Que justement les heals aient plus à se dire. Calmez-vous. Parce que c'est ça marche dans les deux sens. Les heals les envoient FFA, c'est pas bien. C'est très peu cool. Et ça, pareil, c'est un fait. C'est vraiment quelque chose qu'il faut changer, c'est pas la première fois qu'on en parle. Hop. Faut vraiment que ce soit cool, laisser des tanks. Ouais. On peut pas balancer un CD. Enfin, genre, on peut pas voir partir une Sacri, une Iron Bark, alors que le tank l'a pas demandé. Parce que pour peu qu'il claque son Urprot à ce moment-là, c'est un CD vraiment perdu alors qu'on en avait besoin là par exemple. Donc c'est vraiment très important et ça marche dans les deux sens, hein, encore une fois. C'est-à-dire que. Ça marche dans les deux sens quoi. Ensuite, bah, tous les gens qui font que die là depuis tout à l'heure, du cleave, c'est vraiment très dommage. Donc voilà, j'étais dans le bon. Mais tu meurs toi comme ça en fait. Pour que beaucoup de gens. Le cleave tank c'est pas en passe près de tank qui a l'aggro que l'autre tank. C'est comme ça qu'on meurt. Salut à toi, merci Notzi pour ton sub. Le cleave tank c'est quand on passe plus près du codex. Bah ok, pourquoi Nation meurt alors qu'il est au milieu? Ah mais ça c'est, enfin, alors faut savoir ce que vous appelez cliff tank. Ah bah moi j'appelle que t'es à 25 mètres devant le boss, tu meurs en fait, bon. Ouais ça c'est le con, mais en fait il y a beaucoup de morts qui sont du fait que si on passe plus près du tank qui a l'aggro, on gère les dommages avec lui et on meurt. Qui c'est qui parle? Il est trop fort. Tu meurs de ce cleave ou de l'autre cleave, bah dans tous les cas c'est un problème, tu vois. T'es trop fort. Enfin genre, c'est... C'est Alex je crois. T'es devant quoi, et tu dois pas y être au final.
Non, c'est pas Alex du tout. Enfin, moi je pense que ça se résume à ça. Moi je meurs en second souffle. Hein, donc ah, voilà. De quoi? Je meurs en second. Juste après le socle du souffle. Salut! Juste après, je meurs. Bah. Ouais, y'a personne d'autre, tu vois. Enfin, c'est toujours pareil. Du coup, c'est peut-être baissé qu'il faut pas. C'est pour dire quoi? Tu sais comment tu vas faire en sorte de pas mourir? Ou c'est juste on parle pour parler? Enfin, parce que c'est toujours problématique. Alors. Y'a que toi qui meurs, pour moi, bah c'est un fait. La viande! Je sais pas trop pourquoi on en parle, enfin. Je. Et toi, bien avec la pied, évidemment. La viande! On mange la viande! De salive caustique, relax, et donc c'est que tu n'as pas pris le bon. La rune! Voilà. Moi, je rune et tout, ouais, je fais tout. Hein. Donc, bah, je comprends, Ara, ok, il y a deux types de cuivres. Vous êtes devant le boss, t'es mort parce que t'étais à côté. Personne d'autre est mort, je pense que tu sauras mieux faire, surtout avec la mobilité. Ouais, sur la plupart des poules ici, justement, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim. De quoi? J'ai rien compris. Sur le wipe juste avant, il y avait des gens qui mouraient de ça juste. Ok, et bah. Au pire, on tue le boss, j'ai envie de faire pipi moi. Enfin, je sais pas pourquoi on va on y va. Parce que, en fait, le problème. Ça sera un problème dans la continuité ce truc là ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Allez! Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il faut trouver un truc pour que. Genre, Y'a rien à trouver, Ara, tu comprends bien qu'il y a rien à trouver, tu le sais bien, qu'est-ce qu'on fait? On fera des waves en musique, on le trouvera à ce moment-là. Mais dis-moi ce qu'on fait! Genre, NP! PAF! Non, mais. Ah, il faut reculer un peu là! C'est déjà super pack, vous vous rendez pas compte. Continue comme ça, t'es super et Chapaka, je t'aime! La confrérie des bonobos, putain, je vais y rater le souffle! Les voyeurs! Ouais. Faut faire quoi avec les gens là? Il faut heal l'absorbe de ces gens là? Oui. Ok. Et là les gens vous êtes trop pack. Là tous les mecs qui ont pris le debuff, vous êtes mal placés. On lui va die. Oh. Je comprends pas comment 3 hunters peuvent prendre le même habilité. Ah les gars, vous avez la capacité mobile. Attends. Alors du coup les copains là, il va charge quelqu'un, puis ça va être le gros rush. Tous les copains, Laura Mastery, c'est. Ok, on est bien placé, c'est des persos, hein, évidemment. Ah ouais, il revient direct. Ah ouais, il revient vraiment direct. Il y a des machins qui proches, plus ou replacés, personne devant le boss. Attention. Ouais, du coup, Laura Mastery, les amis, c'est. La troisième charge. En fait, il y avait une rotation, ils avaient. Par contre, vous pouvez le tourner tout le temps du même. Il y avait une rotation et ils l'ont push sur Exorcist Red Tool. Réfléchis, on va pas faire 3 quarts de tour. Ah par un quart. Réfléchis, on va pas faire 3 quarts de tour quand on peut faire un quart, je me répète. Ah, mais c'est surtout que Tech, enfin, t'es le seul à mourir. Oh. Pareil, non, arrêtez s'il vous plaît. Oh. Arrêtez d'essayer de. Genre, on s'en fout. Ah putain, on se régale. Ah, on se régale vraiment. Là, je fais un peu n'importe quoi sur ce fight là, mais. Faut vraiment être. Mais sinon tout va bien. Ma méta proc, fais gaffe lui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus de rebeuillant. Ok là il va faire ça et après il va charger j'imagine. Ah, charge dans 5 secondes, voilà, c'est ce qu'il a dit. Attention. Ah merde. On va l'opposer sous CD perso. Encore des gens qui meurent de ça. Pas dingue hein. Je comprends pas dingue, comment vous pouviez pas anticiper. Après j'ai le CD mais bon. De ça, comment. J'ai le CD. Ça devrait être anticipé tout ça. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Paf. Donc là la prochaine c'est Aura Mastery. Oh merde, j'aurais pas dû. Faites gaffe à Alex. Ah, j'aurais pas dû. Si, il va souffler. On retourne sa fille sur Alex. Souffle. Ah, ça m'emmerde un peu. On replace la régène. Vous êtes espacés. On fait toujours pas de ref. Avec notre room, c'est pas un fight d'épée. C'est un fight tenons les heals, tenons les tanks, pardon. Un dispel sur Irana. Oh putain! Ouf! Il va y avoir juste après l'AOE, le cleave. J'étais perdu dans mes pensées! Et donc vous êtes espacé, toujours pareil. Et donc il va y avoir le jump là qui va arriver. Et sur les gens les plus packs. Attention, la charge juste après.
Et donc c'est la charge, donc comme d'habitude, vous n'êtes pas vers le milieu, mais vous n'êtes pas non plus à l'opposé total. Ah voilà, et là on traverse. Et là c'était pas mal. Ce que j'ai fait c'est vraiment pas mal. Ça, c'est très bien. Pas mal que ce soit comme ça à chaque place, fois. Quoi c'est pas un fight de DPS, même si vous pouvez le penser, pas avec notre... On va tourner dans le sens de l'aiguille. Délicieux cocon sur Alex. Plus de mana. Oui, oui, oui. Pareil, on a plus de mana. Souffle maintenant. On s'énerve pas. On écho la mana. Ah bon? Ah merde! Ah non! Double reste, double reste. C'est possible? Ouais. Donc, là, il va falloir remettre les guides évidemment. C'est relou, c'est relou. Il va y avoir un souffle, on essaye de tuer. Ça va décimer les cacs, mais tant pis, souffle. Ah cool, j'ai pas bougé. Est-ce que je peux lui? Non. Faut c'est des persos les mecs, donc ok, plein de gens pour il est tout seul, hein. Il est tout seul. Coucou Nini. Continuez, hein. Continue, continue. Lil go. Obtenir Choub. Il va faire sa charge. Ah, ok, ce sera CD persos. HS, tenez Choub. Et que Choub va tenir, les autres on s'en fout. Charge, on va à l'opposé. On CD persos là, c'est vraiment extrêmement important. On immune hein, s'il faut. On immune s'il faut et on lâche tout. On fait des raises là à blanc, dans le vent, on remonte tout le monde, on heal que Choub, tu bouges plus de Choub, hein. De toute façon il y a le Zerg qui arrive dans 8, ça sert à plus à rien de bouger, tu restes là, 2 secondes, Zerg, ça et... Ah il est en Zerg et il a charge en même temps, on a pas donc c'est absolument pas un boss à DPS, je continue à le dire, et ce même si on a touché leur rage, hein, vu qu'on perd Hippo à T+1, on perd Buns à T+2, c'est trop easy à T+3, et j'en passe et les meilleurs, à... Bon là il va juste dire aux gens qui sont nuls parce qu'ils prennent des AOE. Bon bah écoutez, moi j'ai pris ma charge tranquillou au premier fight, je pense que je la reprendrai plus. J'ai compris, tout va bien, le fight est easy. Le boss est easy, hein. Attention hein. On a fait deux petits tries, voilà, tranquille, tout va bien. Fight de tank. Il a raison hein, la pique quand il dit que c'est pas un fight de DPS, c'est un fight de tank, on va reflasquer. Du coup le fight est long, je pense pas qu'il serait aussi long, là on a fait 6 minutes, non 5 minutes 6. Bon, le fight dure 5 minutes quoi. En vrai il est plus court parce que là on perd des gens. Mais voilà. Hein. C'est formidable. C'est formidable. Zera est encore en phase d'observation. Bah de toute façon en fait c'est bien. En fait je voulais absolument faire le HM. Je voulais pas arriver sur le mythique en mode faut faire quoi. Je préférais faire le HM d'abord. Comme ça évidemment c'est plus simple de gérer le mythique quand on a vu le fight en mode nul. Parce que là on est en mode nul. Et ensuite en mythique ce sera le vrai fight. Mythique ça va pas être la même hein. Et croyez-moi il y a que 3 boss. Ce qui m'embête plus c'est plutôt toutes les morts de la charge. Qui doivent être designées pour les meilleurs guilds mondiales. Donc ce mercredi beaucoup de morts donc de la compliqué. Charge. Ça c'est un peu embêtant. Après attention comme je vous l'ai dit là on est dans un raid où il n'y a pas tous les gens de la guild unité. Il y a des gens de la guild unité mais il y a aussi des gens qui viennent nous aider, des amis, des gens qui veulent raid avec nous mais qui sont pas forcément dans la guild, etc. Des rerolls, voilà donc c'est pas le main raid encore une fois, même si évidemment il y a aussi des gens qui font le main raid mais pas forcément sur leur main perso. Donc voilà, par exemple, il y a Drax là qui est sur son main, moi je suis sur mon main, Shark est sur son main, mais par exemple, Chubby n'est pas sur son main, Chin non plus, Lapi non plus, même si Chin, bon, il a deux persos donc on dirait, mais en fait non. Ou je crois que Chin, si, il est peut-être sur son perso, si, il est sur Sargeras. Enfin voilà, Lumi n'est pas sur son perso, Buds n'est pas sur son perso, il y a plein de gens qui sont pas sur leur main. Pas en poule. On y retourne s'il vous plaît. C'est trop facile. Allez, on est chaud. Three, merde, les guides. Two, one. Les guides. Oh putain. D'accord. Oh, la sauce. Petite sauce au départ. On va y commander un petit peu au début. Ça a rien de s'affoler. Donc tranquille. Tranquille. On peut juste mettre les jugements. À la limite. On peut mettre ça. On va essayer de se dépaquer un petit peu. On va se mettre là comme ça. Soyez bien espacés. Personne ne va. Il va y avoir le souffle. Attention. Attention. Oh cool. On n'a pas à bouger. Après c'est vraiment cool d'avoir un... Et on se replace. C'est plus cool d'être à 20 je trouve pour l'interface. Parce que là c'est vrai que c'est le gros bordel, on ça est 1 million. Là où est de feu. On est 1 million. Vite. Attention. Juste mon bondissant, ça va être sur un gauche. Non ah non c'est le cac. Ouais. Charge soon. Attention. Allez à l'opposé. C'est des persos. Et hop on traverse. Le SLT. Joseph de vouloir être dans le SLT. Pas très bien placé hein.
Personne devant. Wouh. Personne devant le boss. Elle a remonté tout le monde. Ça va déjà beaucoup mieux. Il va y avoir un souffle dans 6. Il n'y a pas de mort à la première 5. Charge. C'est un miracle. Wow, wow, wow. Fais gaffe, souffle. Petit flash. Pas normalement. Ok, pensez à vous replacer de façon imminente. Wouh. Il n'y a pas de paquet. Cocon sur Alex, bien sûr. Il va y avoir un souffle. Le cocon. Qu'est-ce que c'est le cocon comme CD? Ah, c'est les moines. C'est parfait, les bons. Le cocoon annonce. Allez, concentrez-vous. Moi qui ai un pot, je sais pas. Inspect Johnny. Attention. Et ça va jump. Je sais pas ce que j'ai là. Ça va le. Ça va faire le vrai jump là. Attention. Préparez-vous, on va à l'opposé. On va à l'opposé. On s'avance le plus proche et hop on tourne pour être. Vous voyez, il faut. Voilà, c'est exactement ça qu'il veut. Voilà, ça c'est excellent. C'est excellent, c'est bien de se faire. Non. Parfait. On va reste Delicia, ça par contre c'est moins parfait. Là y'a pas eu de CD heal là. Un reste exceptionnellement. Moi je voulais pas claquer mon armastery. Bon on m'a dit 3ème charge. Je claque rien avant la 3ème charge. Autant que faites gaffe au tank. Oh non. Arrête sur Alex. Tasse. Vite. Arrête sur Alex, y'en a plus. Bah, 16. Très moi je le full heal. Ah non. Ouais, je vous pouvez pas tenir. Go wide, go wide. Go wide. Par contre, est-ce qu'on peut pas mettre. Non, des genres avec pour nous sur le souffle. Go wide. C'est pas possible ça. Oui. C'est de la chaud. Non, mais je me rends pas compte, c'est de la chaud par les autres. Non, c'est pas du tout. Alors là, il souffle sur personne et du coup. Déjà. Il va prendre 1 million de dégâts. Il a deux stacks le boss. Ah ouais. Après le deuxième souffle. Je pense que ça doit trop easy. Ouais, c'est un problème. Donc Yadok, je fais toi une fois. Moi je l'ai fait. Trop easy. Il se fait OS, triste pour un tank. Ah bah ouais, mais c'est ça, le truc c'est que là le tank qu'on a est pas du tout stuff, c'est pas lui qui est censé tanker ce soir là de raid, mais le tank qu'on devait avoir est pas là. On sait pas pourquoi. Mais effectivement, c'est il dépanne, il a pas vraiment le stuff, du coup il faut compenser par le fait qu'on soit meilleur sur les calls. Parce que si évidemment on y allait en fait, si on avait tous les main persos de la guild avec le stuff 885 pour tout le monde et tout, on arriverait sur les boss, ce serait horrible. Genre, on aurait même pas besoin d'heal les tanks, quoi, limite. Évidemment, j'exagère, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée du truc. Donc là, c'est bien aussi d'avoir moi je trouve ça cool de faire aussi des raid reroll pour pouvoir faire le HM, parce que ça nous montre plusieurs fois les fights, ça nous montre que oui, on peut mourir de certains trucs, avec les mains on n'en mourrait peut-être pas, etc. Donc je trouve que c'est important, c'est cool pour nous préparer, je trouve. Et avant c'était beaucoup moins le cas, enfin à l'époque où j'avais fait du progress, moi il n'y avait pas ces trucs de on fait plusieurs raids avec des rerolls pour stuff les mains, machin. C'était bien avant, hein, bien avant le truc d'histoire des splits et de difficultés. C'était une époque où. Une époque c'était à Ulduar notamment, c'est le progrès que j'ai fait, un peu à Votelka, voilà. Et c'est vrai que c'était pas du tout comme ça. C'était pas du tout comme ça et voilà. Et ça c'est un petit peu la nouveauté, enfin la nouveauté pour moi. Parce qu'évidemment c'est pas la nouveauté du jeu, ça fait longtemps qu'il y a des raids reroll et tout. Mais moi c'était pas ça mon. Enfin à l'époque c'était pas comme ça. Du coup Choub est tank sur son druide et sur son pal. Oui en général, alors c'est pas vrai pour moi, mais c'est vrai pour beaucoup de gens dans la guilde. En général quand les gens ont un healer, ils ont aussi un healer en reroll, que ce soit la même classe ou une classe différente. Et les tanks pareil. C'est aussi pour que. Enfin pour les tanks c'est important parce que évidemment les tanks c'est plus simple. Parce qu'on explique le rôle une fois à un mec et comme ça il peut le faire sur ses deux tanks. Et par exemple il y a des gens comme Chin, ils ont deux mages. Ils ont deux mages, donc quand il raid pas avec son mage 1, il raid avec son mage 2, c'est aussi son rôle. Et voilà. Après, bon, y a aussi, pour les heals, c'est moins vrai, on n'est pas tous des healers en roll, mais pour les tanks, par contre, c'est très très vrai. Les gens qui sont tanks, ils sont en général le roll tank, ce qu'on n'oblige pas du tout, hein. Les gens font ce qu'ils veulent, etc. etc. Donc voilà. On y retourne! Enfin si, en fait, je dis qu'elle était tenable, je pense. En gros, c'est timer les moments où ils vont prendre des dégâts. C'est à ce moment-là, bah, c'est tellement easy. Y a pas trop de raison que ça meure. Franchement, bah, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Paf. C'est fou là. Allez, allez,
bien boire un petit souffle à la maison. La bave plein le doigt, c'est dégueulasse. On se dépaque. Ah oui, et du coup, DBM time la charge en fonction de la première. Comme souvent, du coup. D'accord, je vois, j'ai compris. On se dépaque. Vous voyez là le bleu, enfin le violet, ça se carrément. Attention. Ça se step carrément. Ok, il va y avoir la charge. Oh, regardez pas où ça va aller. Il a failli die. Et on s'avance bien, on s'avance bien, on s'avance bien et hop, on passe de l'autre côté. Et on se repasse. Ça arrive. De gratter, replacez-vous. Attention. Prenez 0 hit. Je replaçais un petit peu avant mes camarades, mais voilà, je sais que le placement était plus important. Après j'étais en sprint, c'est normal. Sinon j'ai double sprint. Je pense pas que j'aurai les deux sprints d'ailleurs pour la prochaine. C'est pas très grave, on s'en tape. Du coup j'ai claqué les ailes. On s'en tape. Je vais me mettre un petit peu sur les timings, même si ce sera pas du tout ça en mythique, mais... essayez au moins. Tidalita tita la maison. Quelqu'un qui a passé. Delicia, Cocon, sans Lux. Souffle. Il y a encore des gens qui prennent pas les souffles. Yahoo! Waouh! Non! Oh non! Attention. Merde! C'est pas normal, ça. J'étais stun. Ah! Putain, j'étais dans le stun alors que je voulais l'impo. Charge. Je suis trop déçu. Attention. Charge. Mix. Warp. Charge. Attention. Warp. Charge. Tout va bien pour les paladins, oui oui. Tout va pas bien maintenant. Quand est-ce que je pourrais régénérer? Quand il y a le souffle, je pense. Genre là. Hop. Et là on va rester là. Ah mais non, je peux pas être devant le boss. Oh non. Oh quoique, il y a la statue. Choup les tanks hein. Tiens, on montait vraiment que les... Tiens le coup mon pote Choubi. On s'en fiche du reste. Tiens. Oh, il va y avoir un sou, un rez sur Choub. Comment il a pris bordel? Je l'avais Orion et tout hein. On a toujours Neko hein. Montez Alex, Neko, remontez Alex, Neko, montez Alex, Neko. Pensez à la repos. Attention. Oh, c'est chaud. Les temps. La charge. Les temps. 3 secondes. Y'a pas un temps qui veut le reprendre là. Bon, on prend après. Ok, à l'opposé. Ça, c'est inadmissible. Hein. Inadmissible. C'est une charge. Paf. On peut pas bourrer. Personne devant. Paf. Attention. Paf. C'est pas normal, hein, les gars. On aura dans le sens des gars. Personne devant, c'est pas gagné. Hein. C'est loin d'être gagné. On a perdu 2 heals une fois de plus. Il faut de la mana. Autant que si on perd les healers. Oh. Et les tanks. Bon, allez, je vais bulle. Toujours je... les tanks. On va heal toujours, comme un gros porc à la lumière du martyr. On avait qu'à les heals. Un dernier. Alex, Choub. Principalement. Alex, Choub, non Choub, eh ouais. Ok, Alex et Neko, c'est pas grave, Alex et Neko. Oh Alex et Neko. Alex et Neko. Neko. Médaille. Nous il est pas, hein. C'est pas grave, yep, il est yep, que yep. Les tanks. Il est que les tanks. Bonjour. Ah, bon, okay. C'est bon, on va le down, je pense. Sauf s'il y a une charge et que tout le monde die. Ça va jump, ok. Charge. Faites un reste sur Shark ou sur Zera. Charge. Très rapidement. Charge. Mmh. Attention. Charge, c'est les derniers CD et on tue. Ouais. C'était un peu difficile. Il va lancer son paladin, ça compte. GG à tous. Oh le trinket. Du proc en hast. Jamais je breloque ici par contre. Est-ce qu'on peut passer par là, genre en mode raccourci? Tout à fait. Ah non, tout à fait non. Et par là, et par là. Il est fort, ouais. En haste, mec, c'est bis. Ouais. Il est même devant celui de. Ouais. Ouais. Non.
Jamais. Et surtout que c'est un 885. Waouh! Au final. Ouais, non, mais même sans compter ça. On est en loot merdique. Ah, nevermind. On va sur. Non, non, autre chose. On va sur. Comment ça s'appelle Sur la suite, s'il vous plaît. Sur la garce. On double nid de torche ou. Hell yeah! Non, mais alors, de base, vous nidez tout et c'est nous qui faisons le. Non, mais vous savez, de toute façon. En vrai, on met plus de temps à tomber les boss. Pourquoi? On met plus de temps à tomber les boss parce que, évidemment, pour faire des VOD un peu plus longues. Voilà. Évidemment. Évidemment, on fait des VOD plus longues pour ne pas faire des VOD de 10 minutes. C'est pour ça qu'on fait quelques wipes. C'est pour ça qu'on fait exprès de mourir, etc. Bon, écoutez, c'était le deuxième boss de Trial of Valor. On se retrouvera devant Helia avec un peu plus de try, bien sûr. Et ouais, la vieille rêve pourrie des Simpsons en effet. Et donc Elia, on va go wipe par contre. Mass wipe prévu jusqu'à sortir certaines personnes pour que le boss soit moins fort et pour qu'on puisse la tuer. Donc rien à voir. Et ensuite on partira sur Emerald Nightmare en mythique, mais ça vous n'aurez pas la VOD parce que vous êtes méchant. A tout de suite, ne bougez pas, don't go anywhere.